nouvel épisode, deuxième épisode des Weekly Vlog d'août. Très très contente de vous retrouver pour cette nouvelle destination. Je vous rappelle que ce mois-ci, c'est une semaine, une destination. Aujourd'hui, on est lundi, il est 15h50. Je dois partir d'ici environ à 16h, mais je pense que je vais partir en retard pour prendre l'avion. On va pas très loin cette fois-ci. Nous allons à Cannes. Trop contente! Donc je dois vite faire ma valise. Mardi, je suis trop contente parce que du coup hier je suis arrivée un petit peu tard, j'ai pas trop filmé, mais aujourd'hui il fait très beau. Attendez, je vais vous montrer la météo à Cannes, la météo de la semaine. Ça va être trop bien. Avant de commencer la vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec une marque qui me tient extrêmement à cœur parce que ça fait des mois que vous me demandez mon avis sur les culottes menstruelles. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Moods. Ça fait à peu près, je pense, 6 mois que j'utilise des culottes menstruelles. J'ai donc testé celles de chez Moods qui sont trop bien. Pour celles qui connaissent pas du tout, votre vie va changer dès maintenant. C'est des petites culottes menstruelles qui remplacent totalement toutes les protections classiques qu'on a l'habitude de connaître. On va pas parler pendant 15 ans, c'est absolument incroyable, je vous dis la vérité. Moi je suis de la team grand flux, toujours la galère. Au début je me disais genre, déjà, est-ce que c'est propre, est-ce que ça tient longtemps et est-ce que c'est pas galère de devoir laver les trucs. Et quand j'ai testé, je me suis dit non mais en fait ça devrait même pas exister, les protections hygiéniques classiques. Une révolution ces culottes menstruelles. J'ai reçu le modèle plus métis, si je me trompe pas de nom. C'est un modèle avec un peu de la tulle sur le côté, très mignon. Franchement les culottes, alors je vais être honnête, comme ça, et à chaque fois que je le dis à mes copines, elles se moquent de moi. Quand je gère mal mes machines et que j'ai plus de culottes propres, moi je mets des culottes de règles. Hein. Celui-ci c'est pas un modèle taille haute et franchement je le trouve très mignon. J'ai aussi reçu la culotte zèbre. Moi j'ai pas pris la version taille haute, je pense que je suis un petit peu plus de la team classique. Et nickel, franchement nickel. Et surtout ça change des modèles tout noirs qu'on a l'habitude de voir dans les culottes de règles. Et en troisième j'ai pris le boxer. Alors ça j'en rêvais, genre pour moi j'aime trop, et là le boxer je me suis dit mais pour dormir ça va être parfait. Et je l'ai aussi mis en journée et c'est parfait, très joli et très confortable surtout. Vraiment genre je me balade chez moi avec mon petit boxer, mon t-shirt. Donc niveau confort, déjà ça c'est ok. Niveau humidité, ressenti, pas ouf, il y a rien du tout. C'est même beaucoup plus confortable et beaucoup plus clean qu'une serviette normale. Et au niveau du nettoyage du coup, il vous suffit juste de rincer. Alors ce que je fais, c'est que je rince dans ma douche et ensuite on met la machine à 30 degrés et tout est nickel, tout s'en va, ça ne peluche pas. Et j'ai un code promo pour vous comme d'habitude, vous le savez, qui vous offre moins 10% sur tout le site. Mon code promo c'est MOODSANDY, ça fait juste ici, n'hésitez pas à les checker à la barre d'infos. Et surtout, celles qui utilisent déjà des culottes de règles, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je pense qu'on sera tous d'accord. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ceux qui ont suivi les vlogs un petit peu au mois de juillet, vous connaissez Thomas, mon meilleur ami. On va aller déjeuner un petit peu chez lui, il y a ses parents et tout, donc je pense que je vais pas trop filmer. Cet après-midi, on va aller faire un petit peu de shopping. Enfin en vrai, moi j'ai rien de spécial à acheter. Et ce soir, attention, activité spéciale, nous allons faire un golf. Je n'ai jamais fait de golf de ma vie, ça va être n'importe quoi. Et Thomas il doit un peu travailler aussi dans la journée, donc je sais pas trop comment ça va se faire. Parce qu'en fait ses parents ont une cave à vin et donc il doit faire des livraisons. Donc je pense que sur la route on va devoir faire des livraisons, ça va être marrant. Donc voilà, je suis très contente. Mon parfum de tous les jours, de toute l'année, mon parfum, mon odeur, c'est le La Nuit Trésor de Lancôme. Et mon deuxième parfum que je mets essentiellement l'été, on va dire, c'est le Belle de Jour de Christian Dior. C'est les collections privées. Parce que vous me demandez tout le temps, et c'est vrai que je vous le montre jamais. Je vais y aller peut-être. Il serait temps parce que tout le monde m'attend. Je suis toujours en retard. Mais qu'est-ce que tu fous à poil? Ça va? Ça va et toi? Je crois qu'il me déteste. Il est traumatisé. Est-ce que j'ai tenu comme une patate? Le son de l'été, c'est des quoi? C'est des pas des sauterelles, ah, des criquets, des sauterelles. Suena los tambores. Bienvenue à la cave. Bonjour. Ça va? Ça va. Oh, il fait frais ici en plus.
On est bien. Alors, vous avez les Côtes-du-Rhône ici, les Bordeaux. Alors, je choisis. Je vous avais promis un vlog d'été, mais en fait non. Où c'est ce que tu m'emmènes là? J'ai les oreilles genre complètement bouchées. J'ai trop l'impression de pas être moi. Je suis genre dans un état second. Genre je sais pas ce que je dis, je suis pas concentrée, mais je suis comme ça depuis 4 jours. Non, tu fais rien. Juste tu... Pas de problème, m'en dis pas plus. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fait là? On a terminé là? Non. Ah, on est à la caisse et je viens d'avoir une révélation. Vous savez pourquoi je suis dans cet état là? Parce que je suis sous cortisone. C'est pour ça que je viens de comprendre. Il est 16h30. On a mis plus d'une heure, non? Combien de temps on a mis? Une heure. Une heure à trouver une place. Oh, on voit ce que je t'ai dit. Steak and Shake, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre des... C'est un fast food. Ils vendent un truc qui s'appelle la citronade. Ça fait des années qu'on prend ça tout le temps, genre l'été. Oh là là, mon Dieu, c'est tellement bon. En fait, la base avec Andy, c'est frit cheddar, citronade. Terminé. Tout notre argent, c'est dans Steak and Shake. Rien d'autre, on faisait rien d'autre. On avait rien d'autre. On est sur le plus gros fake de l'histoire. On a attendu une demi-heure pour manger nos frites cheddar. Mais on a quand même nos citronnades fait maison. C'est bon? Est-ce que c'est aussi bon qu'avant? Ah, c'est bon quand même. Je demande des frites cheddar après avoir attendu une demi-heure. Elle me dit qu'il n'y a plus de frites cheddar. Du coup, j'ai pris une petite frite pour vous montrer quand même. Et là, on va à notre endroit. Quand je vous dis que c'est notre endroit, on a passé toute notre enfance là-bas. Avec un petit groupe d'ailleurs, dis donc, il reste plus que 2 personnes dans le groupe. Regardez, c'est là. Le bloc. Ça s'appelle au bord de l'eau, l'endroit où je me suis cassé la figure au moins 150 fois. Et on a au moins tous fait tomber une fois notre téléphone là-dedans. Je vais tomber. N'oublions pas que je suis sur cortisone, l'effet est à peu près 2-3 verres de rosé dans la. Comment je monte comme ça? Je sais pas, j'attends de voir. Ah non, je vais m'asseoir. Oh non! C'est quoi ce bacon? On fait que de se plaindre, faut arrêter de se plaindre là. C'est beau quand même, avec le cheddar c'est mieux, mais c'est quand même moins bacon. Ça arrive à nous monter ça? Malheureusement, c'est pas encore assez gros. Ça a pas l'air compliqué juste de faire ça. Moi, t'inquiète, ça va être compliqué, mais. Oh là, quel geste! Ça c'est juste la, et ça, c'est la juste... première des bases. Après, toujours comme ça. Ça va être une cata. Il est en septimé. Voilà. N'aie pas peur de l'air, même si tu fais ça. Vas-y, vas-y. Voilà. Juste... Détends-toi. Ça, c'est super dur en vrai. Oh là, non, c'est comme ça, cherche. Ouais. Elle passe le balai. Tu glisses, proche de la balle. Oh. C'est ça. Incroyable, trop stylé. Juste tu la gardes pas trop. Non, c'est... Ah ouais, non, ça va. Là, tu vois, t'as fait ce qu'on appelle une gratte, c'est que t'as touché avant. Oh. Mais j'ai 10 000 coups comparé à toi. C'est la différence, c'est que toi, par exemple, là, il va faire... Voilà, elle a gagné. Là, on est sur du très 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 très, très lourd. Tu vois, t'étais un peu trop proche. Comme un bâton là. Je suis mort. C'est pas mal. Elle est où là? Elle est tellement loin. Oh la vache. J'ai un énorme photocoustique sur le front. Pizza. Oh là là.
aujourd'hui on est jeudi. Hier j'ai pas filmé parce que j'étais sur mon ordinateur toute la journée, donc c'était pas très intéressant de vous montrer ça. Je me suis réveillée à 10h à peu près. C'est pas grave, c'est les vacances. Donc là je vais faire une petite séance de sport. Je me suis mise en tenue, j'ai enlevé le tapis. D'ailleurs j'aurais dû le laisser, c'est quoi de pas idiot, pourquoi j'ai fait ça? Pamela Ref, bien sûr. Je vais faire une séance un peu genre cardio. Non, pas cardio. Pas de cardio. Une séance abdo et une séance bas du corps. Vous en pensez quoi? Oh, ce matin, je me suis réveillée avec 50 000 personnes sur Instagram. Et en plus, on est presque 150 000 sur YouTube. Merci beaucoup. Alors, Pamela Ref. Il faut que je reprenne le sport. Et voilà, j'ai fait abdos, fessiers et étirements. Très fière de moi. Je vais aller à la douche, il y a mon père qui arrive. On va aller manger à la plage et peut-être bronzer. La même chemise en plus. Est-ce qu'on parle de la différence? C'est grave quand même. Non mais moi j'ai l'air très très blanche là. Alors je vais essayer de rattraper un peu mon bronzage. C'est pas gagné. Pour l'année prochaine j'investis dans une GoPro, je vous amène sous l'eau avec moi. Et là je pense qu'on va bronzer une bonne partie de la journée. Ça fait des mois que j'ai cette carte cadeau Calzedonia, il faut vraiment que je la dépense avant de partir. Et après on va chez mémé manger une tortilla. On mange ou on mange pas? On mange ou pas? Ben oui. Coucou, aujourd'hui on est vendredi. Ça passe super vite, vraiment là je me rends compte que j'ai l'impression que je suis arrivée hier. Je suis en train de me préparer, j'ai déjà mis ma crème et je vais vous montrer mon petit make-up d'été. Première étape, je prends toujours un petit pêche pour l'appliquer sur les cernes avant d'appliquer mon anti-cernes. J'en mets pas beaucoup et c'est vrai que ça m'empêche d'avoir les cernes grises, donc c'est assez pratique. Ensuite j'applique mon petit anti-cernes de chez Armani et la teinte c'est la numéro 2, c'est le Power Fabric. Un petit peu là et un petit peu là, là où j'en ai un petit peu besoin. Et j'applique ça avec un petit pinceau de chez Makeup Forever. Là je me prépare pour aller déjeuner avec ma cousine que j'ai pas eu depuis longtemps. Mais en fait moi j'ai toute ma famille du côté de chez mon père qui est ici. Donc j'en profite pour voir un petit peu tout le monde. Moi ce soir je sors. Il faudrait que je me trouve une petite robe. J'ai déjà des talons cet après-midi quand on fera les magasins avec ma cousine je pense. D'ailleurs hier je vous ai pas dit, du coup j'ai acheté un maillot de bain. Il n'y avait plus rien. Je vais essayer de vous montrer porter comment ça rend. Deuxième étape, les sourcils. Alors moi j'utilise le Benefit Brow Pencil. Je savais pas. Moi le seul truc que je fais quand je me maquille c'est juste je crée une cassure parce que moi j'en ai pas. Je brosse un petit peu la tête parce que je veux que ce soit dégradé. J'aime pas du tout la tête marquée. Je reprends un tout petit peu de concealer. Il en faut vraiment un tout petit peu. Et j'estompe tout propre. Highlighter Charlotte Tilbury. Et j'estompe tout au doigt. Ce glow incroyable que ça apporte. Je prends un petit blush crème de chez Galénic. Alors à chaque fois vous me demandez la teinte mais il n'y en a pas. Et je le prends avec mes doigts. Ensuite bronzer Oula de chez Benefit. Et je l'applique comme ceci. J'ai vraiment pas pris grand chose. J'ai l'impression que je m'habille tout le temps pareil. Enfin je sais pas. Il est 15h50. Je dois partir d'ici environ à 16h. Logique. Je prends une petite palette Inglow. Alors je sais pas si vous connaissez, je l'avais acheté à Londres. Et je prends le fard marron et je fais juste un petit ras des cils. Voilà, je commence par ça et après j'en mets un petit peu sur le ras des cils. C'est toujours un peu messy mais c'est fait exprès justement. Ensuite un petit peu d'highlighter. Donc j'en mets juste un petit peu là. Je prends un petit peu de peau de Laura Mercier. Et j'en mets très très légèrement au niveau de mon dessous d'œil. Parce que comme vous l'avez sûrement vu, ça file dans les plis. Et c'est super chiant. Et mascara. Genre c'est le meilleur mascara que j'ai testé.
tout petit coup de blush en poudre pour fixer un peu ce que j'ai mis sur mes joues. Hop. Je vais mettre un baume à lèvres de chez Benefit qui est trop bien, c'est le Berry. Là c'est bon. Tenue du jour, petite robe Bershka, petite chemise Zara, mes baskets Arigato, mon collier Anna Luisa, vous me demandez tout le temps, et les petites boucles d'oreilles, les nébuleuses, tout est nébuleuse. Voilà. Regardez, j'avais une petite surprise. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait des mois que je veux m'acheter des lumières anti-lumière bleue comme je suis tout le temps sur mon ordinateur. Et on est passé devant Jimmy Farley et je pense que... Bon, on va aller acheter une petite robe peut-être pour ce soir, ce serait bien parce qu'à la base c'est quand même ce qui était prévu. J'ai trouvé une petite robe, sauf que on a fait un rafistolage parce que je vous jure que le décolleté allait jusqu'à là. Donc on a fait des petits nœuds derrière, ça se voit pas trop. Devinez ce que je suis en train de boire. Vous allez savoir. Une citronnade. On se remet pas du tout de la chaleur. Moi je me remets pas. Moi non plus, j'ai pas du mal. Alors, par où commencer? Déjà, on est samedi. Hier, on est sorti. Voilà. Maintenant, on boit de l'eau. On est allé en boîte et franchement, c'était trop bien. Moi je me suis couché vers 8h. Ouais, 8h un peu, ouais. Donc c'est compliqué. On est sorti, on a déposé tout le monde et genre on a vu le lever du soleil et on s'est dit bon, on va aller se baigner. Donc on allait se baigner à 7h du mat. Je vous mets maintenant le lever du soleil. C'était trop, franchement c'était trop cool. Il y a un truc que vous devez faire si vous venez ici, c'est aller aux îles. Sauf que le gros problème des îles, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Et vous savez ce que c'est le deuxième problème? C'est que c'est la canicule aujourd'hui. Mais il y a de la forêt au milieu, donc il faut traverser toute la forêt dans la chaleur. En gros, c'est un plan de merde. Mais ce coup, c'est parti pour le malaise. Marche, ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est très long, c'est très long. Franchement, je vous jure, si vous venez ici, vous devez trop venir aux îles. Ouh, ça fait mal au pied. C'est l'heure de rentrer. Il fait très 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 chaud. Ouais, c'est canicule, mais ça fait trop du bien. On regrette pas du tout d'être venu. Comment voulez-vous regretter? Bye bye les îles. On est mort. Je suis KO. J'espère que j'ai assez filmé aujourd'hui. Donc voilà pour ce petit vlog. J'ai passé une trop bonne semaine. J'ai vu mon père, j'ai vu des amis. On est sortis, on est allé à la plage, on s'est reposé. Donc c'est vraiment les vacances parfaites pour moi. J'ai trop aimé. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si jamais c'est pas déjà fait. Je vais vous poster un petit guide. Je pense qu'à l'heure où la vidéo sera sortie, il y aura déjà le guide sur Instagram. Le spécial Cannes, comme vous me demandez à chaque fois les bonnes adresses. Et comme j'ai habité ici, ne l'oublions pas. Moi parfois je l'oublie, mais j'ai habité ici. N'hésitez pas à aller voir là-bas et n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Pour le mois d'août, je poste une vidéo tous les dimanches à 19h, une semaine, une destination. Et à partir de lundi, je vlog pour le prochain vlog qui sort dimanche prochain. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.